mettre à fondre le beurre et faire suer les pleurotes sur feu vif pendant 2 minutes. Mais il y a une précaution à prendre, bien enlever les c'est de bien les nettoyer une par une avec un pinceau, mais surtout ne pas les faire tremper dans l'eau. Là, parce qu'on peut dire que là, ça s'imbibe d'eau et après c'est perdu. Ajoutez l'échalote, le persil plat, saler, poivrer et réserver les pleurotes à température ambiante. Salez et poivrez les œufs entiers, ajoutez une noix de muscade et mélangez. Incorporez la crème liquide, répartir les pleurotes dans les ramequins préalablement grassement beurrés, recouvrir de l'appareil à flanc. Disposez un papier absorbant dans le fond du poêlon, versez un peu d'eau, disposez les ramequins et remplir d'eau à 3/4. Portez à frémissement, couvrir et enfourner 25 minutes à 160 degrés. Un flan doit cuire doucement. Plus il cuit doucement, plus il est lisse. Mettre à réduire le vinaigre de Xérès, ajouter le fond de veau, réduire d'un tiers et incorporer le beurre bien froid, coupé en morceaux sur feu éteint. Poivrer, saler, fariner les foies de lapin, les saler et les poivrer de chaque côté. Mettre à fondre le beurre et faire colorer les foies de lapin pendant 2 minutes de chaque côté en les arrosant en cours de cuisson. Les égoutter, ajouter l'ail dégermé dans le beurre de cuisson, le persil plat et napper les foies de lapin. Sortir les flans du four. Il faut patienter pendant 4 à 5 minutes avant de démouler les flans parce que si on les démoule aussitôt, ils restent collés. Les démouler et dresser les foies de lapin sur le plat de service nappé de sauce au vinaigre de Xérès. Persillade de foie de lapin aux pleurotes. Pour 3 personnes, 3 foies de lapin, 300 g de pleurotes, une échalote, 2 gousses d'ail, 2 œufs, 150 g de crème liquide, 120 g de beurre, 2 cuillères à soupe de persil plat, 2 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès, 1 décilitre de fond de veau, une râpée de noix de muscade, du sel et du poivre du moulin.